This is Rancho. Ça, on y est, Francky. Ça a de la gueule. Claire. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah quoi, je me prépare à passer la barre. Bon, allez, Francky, ça. Allez. Oh, les montagnards ! L'océan, ça s'improvise pas. Faut le mériter. Bon, les gars, vous avez fabriqué votre matos. Ça a l'air pas mal. Et vu que vous allez prendre la tasse à l'océan, on va peut-être commencer par l'eau douce. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est travail d'appui. On voit comment le machin il marche. Parce que dans une vague à 3-4 mètres, ça va pas être la même. Ça part ! Okay. Bon, sur le plat, ça marche pas mal. On va rajouter un peu de pente et un peu d'eau. Nico, envoie la sauce. Ça marche pas. Par contre, vous avez bien mérité un mascaré pâté. C'est quoi ça, un resto ? Non, un rendez-vous. Descends, tes coffres 3 mètres. Je regarde, je dis ça, c'est la vague de ta vie. La vague de ta vie. Et là, 5 mètres la vague. Donc je te disais, t'arrives le matin, 6 heures, seul sur le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été. C'est comme un moment suspendu dans le temps, quoi. T'es tout seul, face à la mer. Face à la mer, où j'aurais dû grandir, face contre terre. Donc faut vraiment que tu profites des conditions quand c'est glacis. Parce que dès que le vent souffle... Dès que le vent soufflera, je repartirai. Il y a une journée qui... Tout le monde l'attend. C'est la vague où tu démarres d'ici et tu atterris dans le port. Dans le port d'Amsterdam. Oh ! Hein ? Il y a des vagues ? Oh les montagnards ! Il y a du swell ! On va skier ! Mais il n'y a pas de vagues ! T'inquiète, je suis un local. La cano. Bienvenue, un petit médoc. On va aller faire quelques tests sur le plat, voir un peu comment les skis réagissent. Et derrière, on ira prendre les vagues. Okay. Les vagues, plus vous prenez d'angle, plus vous allez être rapide. D'accord ? Et l'objectif, tenir la parallèle de la vague. Vous allez tout droit
il n'y aura plus de vitesse, vous allez prendre la vague. Si vous tournez et vous êtes sur l'épaule, là vous allez avoir les nerfs. C'est bon pour vous ? Marque d'affection, ça. Ah non, mais attends, là, c'est un peu short, là. Sous une vague, c'est une vraie machine à laver. Autant dire que tu vas bouffer du plancton. Alors, on va y retourner, on va aller en profondeur. Je te mettrai peut-être un petit gilet pour t'aider à te remonter. Ok. Allez, on y retourne. Tu vois, gilet, il peut te sauver la vie. Là, on va être en profondeur. Tu as jusqu'à tirer cette tirette-là ou cette tirette-là et ça te remonte. Par contre, il ne faut pas négliger l'appui. D'accord ? Donc, on va aller au fond et puis on va s'entraîner. Mais pourquoi Francky, il n'en a pas ? Parce que j'en ai qu'un. Ah, ok. T'arrives. Il y a une sirène au fond. T'inquiète, t'inquiète, c'est le mal des profondeurs. Les sirènes, ça n'existe pas, je te dis. Putain, mais c'est qui cet abruti ? Lâche-moi ! Ah, Osgore. Casse-toi, c'est ma vague ! Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Bon les gars, c'est le grand jour. C'est la vague de votre vie. Aujourd'hui, il n'y a que les blaireaux qui restent sur la plage. Par contre, l'eau est froide, n'hésitez pas à pisser dans la combi pour vous réchauffer. Pas là, Francky. Dans l'eau, putain. Bon les gars, là ce qui vous attend, c'est comme une mêlée. Le plus important, c'est la première ligne. Tu perds tes appuis, tu plonges et tu prends tout sur la gueule. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. My rusty cage and run.
with my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. Putain, c'est énorme ça! Putain, c'est bon! Il est où Francky? Ah, ça je sais pas. Francky, c'est pas ta sirène là? Oh l'enculé.